Salam les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de mini cake salé. Très facile à faire les filles. C'est parti pour la recette. Les ingrédients, c'est de la farine, de la levure. Donc je vous mettrai les quantités en bas. 4 œufs, du fromage râpé, de l'huile, du lait, des épices. Donc moi j'ai mis du sel, du poivre et de l'ail. Et la garniture, donc moi j'ai pris des tomates, des olives, du poivron, du surimi et de la dinde. Donc après vous êtes libre de prendre les garnitures que vous souhaitez bien évidemment. Donc je passe à la préparation. Dans un saladier, je vais venir mettre la farine, la levure chimique. Donc je vais mélanger les deux ensemble. Ensuite, je vais venir rajouter les 4 œufs entiers, l'huile, le lait et je vais venir mélanger le tout. Les filles, c'est très important de mélanger rapidement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà, parce que c'est pas agréable quand il y a des grumeaux. Donc voilà, je vais vraiment mélanger vivement. Ensuite, je vais venir rajouter mes épices. Pareil pour les épices, vous épicez comme vous le souhaitez. J'avais plus de persil, ni d'herbe d'aldine. Voilà, donc j'ai mis ce que j'avais. Ensuite, je vais venir rajouter mon fromage râpé. Donc c'est de l'emmental, vous pouvez remplacer par de la mozzarella, il n'y a pas de souci. Ou pas mieux de fromage d'ailleurs. Moi d'habitude je mets aussi du thon à l'intérieur, mais j'en avais plus. Donc voilà, la garniture c'est comme vous souhaitez en tout cas, mais la base c'est ça. Ensuite, je vais prendre des petits moules comme ça en papier que j'avais acheté sur showroom privé. Donc les filles, si vous voulez l'acheter, la marque c'est Mena Style. Donc voilà, franchement c'est très pratique les filles si vous voulez faire des petits cakes salés ou sucrés. Ça va au four. Donc je viens remplir mes petites caissettes en carton, donc de mini cake tout simplement, à 3 quarts à peu près. Mais j'aurais pu les remplir même un peu plus pour que ça fasse plus joli en fait, vous verrez à la fin de la vidéo. Donc je vais venir mettre ma garniture, donc j'ai mis dans une poivron et des olives. Comme je vous ai dit, vous choisissez la garniture que vous souhaitez. Vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre des crevettes. Vraiment, vous avez un large choix, les filles, de garniture. Ensuite, je vais venir enfourner dans un four préchauffé à 180, entre 175 et 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Donc voilà, les filles, le résultat des mini cakes salés. Franchement, ça a l'air trop appétissant et c'était super bon les filles. Et c'était un délice tout simplement. Donc voilà les résultats. Comme je vous ai dit, j'aurais voulu que ça monte un peu plus. Mais c'était vraiment délicieux. Et là, à côté, donc j'ai fait des roulés au saumon. Donc je vous mets dans le petit i si vous voulez la recette. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !